commencement était une terre difforme, en plein cœur de l'Afrique, dotée des libéralités faisant d'elle d'une sorte de paradis terrestre. Et cette terre fut dénommée le Congo. Depuis un certain temps, ce pays Congo démocratique traverse une page sombre de son histoire. Mais face à ces tableaux, il y a quand même certains fils et certaines filles dignes de ce pays qui ne cessent de fournir leurs efforts pour donner une nouvelle image dans ce pays, le Congo démocratique. Fidèle téléspectateur, chers internautes, merci d'être connecté et branché sur UVP de Mac pour suivre cette émission HTV Trésor Mpoudi. Merci pour la confiance que vous continuez à nous donner au travers de cette chaîne de télévision en ligne, UVP de Mac, Canal Impact. Je suis ici en Suisse pour vous présenter cette émission, mais je ne suis pas seul. Je reçois pour vous un acteur politique, une grande personnalité de la politique congolaise, à la personne de Monsieur Willy Tchinga. Monsieur Willy Tchinga est l'un de la majorité présidentielle. Il est aussi secrétaire exécutif fédéral en Suisse, qui représente le parti MCR, Mouvement Socialiste de Renouveau. Et puis, il est aussi candidat à la députation provinciale. Et en dernier, il est aussi président d'une fondation qui porte son nom. Avec lui, on va essayer de parler sur l'actualité politique. Depuis hier, il y a déjà la nomination du Premier ministre qui est sortie du rassemblement, mais contestée par un bon nombre de l'opposition, un bon nombre de membres de l'opposition du côté rassemblement des limités. Monsieur Willy Tchinga, qui je dis déjà bonjour, monsieur Willy. Bonjour, monsieur Trésor. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'entre eux, vous êtes de la majorité. Comment est-ce que avez-vous réagi par rapport à la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala, pendant que les rassemblements est déjà divisé, et puis les rassemblements qui étaient considérés par la population congolaise, entre guillemets, par les évêques aussi, c'était celui de Félix Tshisekedi. Ça, précisément, s'il faut dire, les rassemblements de l'UMT. Mais vous avez sorti un nom du rassemblement des Olengankoy et de Roger Lumbala, tout ça. Et on a dit qu'ils ont trahi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Quelle est votre réaction par rapport à cette nomination? Alors, d'entrée des jeux, Monsieur Trésor, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau pour parler des questions de l'air, entre autres, la question de la nomination de Premier ministre. Oui. Alors, avant toute chose, j'aimerais rectifier une chose. Le rassemblement au Congo, dans l'esprit et dans la lettre, il n'y en a pas plusieurs. Ah bon? Il y a une divergence d'idées qui gangrène nos amis de l'opposition. Il y a les autres qui disent que le groupe El Olengankoy et Bruno Tshibala et El Tshisekedi Katumbiste. Il y a les autres qui s'accusent, qui se jettent qui se jettent de responsabilité, qui essaie de dire que non, les autres, ils ont été faire la restructuration alors que ce n'était pas à l'ordre du jour. Mmh. Alors ça, c'est l'histoire du rassemblement. Concernant l'histoire de la nomination de Premier ministre, vous vous souviendrez très bien que le prélat ou le prince de l'Église catholique ont été voir le président de la République il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont été remis leur rapport final au chef de l'État. Et vous vous souviendrez aussi que Joseph Kabila, le président de la République du Congo, a remercié les prélats catholiques de l'effort qu'ils ont abattu aux discussions directes qui opposaient la majorité présidentielle et l'opposition en passant par société civile. Vous vous souviendrez aussi que le président de la République a félicité les prélats catholiques d'avoir fait beaucoup d'efforts. Selon le président de la République, ils ont fourni en tout cas un travail à plus de 90%. Donc il restait peu pour arriver à la signature de cet arrangement particulier. Mais
comme vous le savez, parce que vous êtes un grand journaliste, oui. Il y a eu deux points de divergence. À l'occurrence, le point de nomination du Premier ministre, oui. La modalité, en fait, de la nomination du Premier ministre, et la consensus pour trouver une personnalité à la tête des CINSAR, c'est-à-dire la comité de suivi des accords. Conseil alors, national de suivi des accords. Voilà. À son tour, le chef de l'État, oui. Comme il est le garant de la République, avec les rapports que les prélats catholiques lui ont amenés, c'était dans son devoir de trouver une solution consensuelle pour faire marcher la République, parce qu'on ne peut pas rester éternellement aux discussions directes. Et les chefs de l'État avaient lancé au discours qu'il a annoncé devant les deux chambres, les Sénats et le Parlement, il a lancé un appel pathétique aux politiciens du Congo et en particulier au Rassemblement de s'entendre et de l'amener une liste sur laquelle il va choisir un premier ministre qui va nommer. Voilà. Au final, je ne sais pas si je peux continuer ou bien... Vous chutez rapidement, voilà. Parce que je voudrais pour ne pas vraiment, je veux pour ne pas qu'on puisse se perdre, parce qu'on va juste revenir un peu en arrière. Vous continuez, vous chutez rapidement. Voilà. Alors, il y a eu des consultations. Tous les partis prenantes dans la vie politique du Congo y ont répondu présent. Le Rassemblement, elle, Olenga Nkoy et Bruno Tshibala, et les autres, parce qu'ils sont nombreux, la société civile, les opposants signataires de l'accord des 18 octobre, Celui de l'OIA. Celui de l'OIA. Ils étaient tous là. Le Vital Cameroun, le Jean-Lucien Boussa. Voilà, ils étaient tous là. Ouais. Ils ont apporté leur contribution. Il y a eu même des personnalités, entre autres Valentin Moubaké, de l'UDPS, qui a répondu positif ou qui a répondu présent à l'appel du chef de l'État. Voilà ce que je peux dire pour lui. Merci, monsieur Willy Tshinga. Je vais un peu revenir en arrière. Monsieur Willy Tshinga, comment pouvez-vous expliquer, pendant que les évêques avaient déjà jeté l'éponge, ils ont dit, voilà, on n'a pas pu aboutir par rapport aux arrangements particuliers. Les deux points qui posaient problème, vous venez de énumérer ces deux points, c'était la nomination, la désignation, modalité de désignation du premier ministre pour la nomination, et puis le président de CNCA. Déjà, c'était déjà l'échec. Les évêques ont établi la responsabilité en l'endroit de la majorité présidentielle, précisément au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Mais comment se fait-il, vous venez de dire que, voilà, les évêques ont déjà vu le chef de l'État pour lui parler par rapport aux arrangements, c'est comme si ça a été signé pendant que ça n'était pas signé. C'est-à-dire que ce que le président Joseph Kabila vient de faire, il a un peu déjoué le système, le jeu, si on peut dire de la sorte. Je pense que c'est très important sur votre plateau pour qu'on puisse être clair. Oui. Et surtout que les téléspectateurs puissent nous comprendre. Oui. Les évêques n'ont pas jeté l'éponge. Est-ce que vous vous souviendrez, vous savez que les évêques ont été interpellés par les chefs de l'État pour qu'ils puissent commencer leur facilitation pour parler de l'ANCENCO. L'initiateur de ces pourparlers-là, c'est Joseph Kabila. C'est tout à fait logique qu'ils aillent chez les chefs de l'État pour remettre les rapports. Mais l'arrangement particulier n'a pas abouti. Est-ce que vous savez, pendant les arrangements particuliers, il y avait tout le temps deux fois il y avait des blocages. Est-ce que vous pouvez me dire où s'est rendu les évêques pour débloquer la situation? Alors, je ne peux pas vous poser la question parce que vous êtes journaliste, mais on doit raisonner ensemble et à haute voix. Quand il y avait des blocages,
pour parler direct, entre la majorité et l'opposition et la société civile, à l'ancienne cour, quand il y avait des blocages, les évêques, les prélats catholiques, se rendaient chez le président de la République pour avoir l'aide, pour débloquer des situations. Et à chaque fois, ils le faisaient. Alors, je ne vois pas pourquoi. Les téléspectateurs vont vous juger si vous dites la vérité. Je dis la vérité, rien que la vérité. En fait, les choses que je dis, c'est des choses qu'on a vues par les passés. Ils ont été chez les présidents de la République deux ou trois fois pendant les pourparlers directs de l'ANSENCO. Et il a débloqué à chaque fois. Alors, aujourd'hui, s'ils ont été chez les chefs de l'État pour remettre cet rapport final, c'est parce que ils se sont trouvés devant une situation qui ne trouvait pas de solution. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait trouver la solution. Dans le rapport final, vous pouvez nous expliquer le rapport final, c'était quoi? Le rapport final, voilà. C'était... Qu'on a signé, ou bon, on arrête, il ne faut plus continuer, c'est à vous maintenant de prendre des décisions, c'était ça le rapport final? Ah, je pense que vous avez suivi. Vous et moi, on a regardé les médias, télévision, internet, partout. Les rapports, ce n'était pas l'échec. Les rapports, ce n'était pas de signature. Il y avait un blocage sur la modalité. Mais c'est le chèque déjà. Non. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas l'échec. Entendre le porte-parole des évêques, c'est-à-dire, il a parlé de l'échec, le manque de la volonté politique entre le décompte, majorité et les rassemblements. Alors, c'est-à-dire, je pense qu'on n'avait pas suivi Abbé Chollet sur la déclaration finale. À moins que je me trompe. Abbé Chollet a dit ceci. On est venu chez le président de la République lui remettre le rapport final et lui soumettre les deux points qui bloquent pour qu'il puisse débloquer parce qu'il est le président et garant de la République. Pour moi, ça, ce n'est pas un échec. Donc ça a été maintenant une affaire personnelle. Si Joseph Kabila a débloqué tout ça, nous, on n'a pas pu. Non, ce n'est pas une affaire. Il ne faut pas faire l'amalgame. Joseph Kabila, c'est le président de tous les Congolais. On ne doit pas s'évaler la face ici, messieurs les journalistes. Joseph Kabila, c'est le président de la République. Il est le garant de la nation pour tous les Congolais. S'ils ont été là-bas, parce que c'était la personne référente qui pouvait trouver des solutions. Et en fin de compte, ils n'avaient pas tort. Deux jours après ça, Joseph Kabila a promis au prélat catholique qu'il va trouver une solution consensuelle. Conformément à l'article 78 de notre constitution, Kabila a lancé une consultation à la classe politique. Il a invité tout le monde. Sauf le rassemblement de l'UMT. Je pense qu'il faut trouver... Ils n'ont pas vu l'invitation, ça a été déclaré. Oui, ils n'ont pas vu l'invitation. Voilà. Mais après, le chef de l'État, à l'adresse de la nation, le chef de l'État a donné encore 48 heures. Je pense que pour des politiciens qui se respectent, pour des politiciens non fisques qui respectent la population, devraient se rendre. Et aller donner leur point de vue devant les chefs de l'État. Même s'ils n'allaient pas adhérer. Pourquoi la majorité présidentielle en général, en particulier le chef d'État Joseph Kabila Kabange, a-t-il peur de Félix Tshisekedi? Oui, je pense que cette question, je vous ai répondu à l'émission précédente que j'étais avec vous. Je ne vois pas la raison pour laquelle les chefs de l'État... peut avoir peur de Félix Tshisekedi parce qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble et sur la carrière politique ils sont pas pareils. C'est un faux problème, c'est pas avoir peur. Bon, c'est qu'ils disent que voilà, le président de la République ne voulait certainement pas nommer Félix Tshisekedi comme premier ministre parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui peut être manipulable. Ceux qui disent ça, tu leur diras quoi? Oui, je pense que je leur envoie la question, parce que je ne pense pas, à mon humble avis, je ne pense pas qu'au sein du rassemblement, elle, même si c'est elle, Félix, il peut manquer trois personnes pour donner. Il n'y a que Félix Tshisekedi qui peut être un manipulable et puis les autres pas. Mais déjà, ça explique que si... Ils n'ont pas manqué les trois personnes, mais ils savaient
le rassemblement de celui de Félix Tshisekedi, il savait que dès qu'il donne les trois noms, Félix Tshisekedi ne sera pas nommé. C'est-à-dire parce que c'était ça l'idée de chef de TGF Kabila Kabang. Il ne voulait pas nommer Félix Tshisekedi. C'était juste ça. Vous savez aussi, monsieur les journalistes, ouais. Vous savez aussi, pour être nommé Premier ministre, il faut avoir des critères. Donc Félix, là, vous voulez dire que Félix ne remplit pas le critère d'être premier ministre. Son nom était figuré sur la liste qui est le rassemblement L. Tshibala a donné chez le président de la République. Ils ont regardé les critères. Ils ont regardé les capacités et les bagages intellectuels aussi. Vous le confirmez? Vous êtes sûr que le rassemblement de El Tshibala pouvait mettre le nom de Félix Tshisekedi dans leur liste? Ils ont mis le nom de Félix Tshisekedi dans leur liste. Vous le confirmez? Je le confirme parce que ça a été défilé dans tous les médias au Congo. Je le confirme parce que je suis politicien, je suis à la loupe l'actualité politique de mon pays. Mais c'était juste une stratégie, une manœuvre dilatoire pour créer, pour faire voir que voilà, nous, on est sympa, tout c'est parce qu'ils savaient que Félix ne sera pas nommé. Ça c'était déjà ça, sûr. Ça, je vous concède à vous qui dit ça. Moi, je sais que ça a été fait en bonne et due forme. Est-ce que croyez-vous que la nomination de M. Bruno Tshibala au titre de Premier ministre, ça va essayer de débloquer l'impasse que la RDC Congo traverse? Pour cette question, je vais vous répondre clairement. Okay. Même si on nommait Félix Tshisekedi aujourd'hui, la situation politique ou la situation plutôt économique de notre pays, ça n'allait pas se débloquer dans deux jours. Même si on nommait Félix Tshisekedi. Ouais. Aujourd'hui, les problèmes politiques au Congo, c'est la cohésion qu'on doit chercher. C'est la cohésion nationale. Il faut s'entendre, il faut mettre les intelligences ensemble pour essayer d'aller de l'avant. Moi, je pense qu'on doit avoir pitié de notre population aujourd'hui. On ne doit pas se cramponner au positionnement ou personnel ou politique pour avoir, si c'est quoi, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous devons regarder la population congolaise, parce que la population congolaise souffre aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes d'accord que l'UDPS est l'un des partis politiques qui a une grande force. Jusqu'à présent, je ne sais pas si ça va rester le même. Ça, c'est une réalité, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et vouloir écarter l'UDPS, ne pas nommé Félix Tshisekedi, la question que je vous ai posée, je vous la pose autrement. Je parlais de cette crise politique. Parce que, étant donné que le rassemblement de Félix Tshisekedi n'est pas reconnu, vous ne voyez pas que la crise va demeurer. Alors, par là, je vais vous répondre simplement. Oui. Comment on débloque une situation? Raisonnons ensemble. Quand vous reprochez à un camp d'être manipulateur, ils n'ont pas bien travaillé, on doit changer les choses, on doit faire l'alternance. Quand on vous appelle de parler, vous ne voulez pas venir, mais vous prenez toute une nation en otage, ou bien vous cherchez vos positionnements politiques. Le chef de l'État a lancé l'invitation à toute la classe politique, toutes tendances confondues, même la rassemblement El Tshisekedi. Ils ont été invités. Ils ont reçu l'invitation du chef de l'État. Ils ne se sont pas présentés. Je peux bien comprendre qu'ils ont reçu l'invitation en retard. Mais le jour de l'adresse du chef de l'État à la nation, oui. Il a lancé encore l'appel pathétique. Pendant cette annonce-là à la nation, il a dit « Je demande au rassemblement. Je donne 48 heures pour nommer le chef du gouvernement. » Ils avaient tout le temps. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit se surpasser de l'orgueil personnel et de penser à la population congolaise. Okay. On va passer rapidement. Le président Joseph Kabila, son souci était que les rassemblements puissent s'entendre. Mais comment il a accepté seulement la liste des rassemblements, elle, Olengankoy? Pourquoi? Vous pouvez me répondre sur cette question-là. Est-ce que l'aide Tshisekedi a amené la liste? Je ne sais pas. Mais lui, il les a appelés de s'entendre. Pourquoi il n'a pas attendu, c'est-à-dire qu'ils puissent s'entendre, essayer un peu de faire de démarches, mais il n'a pas fait ça, il a juste lancé appel et après, il a accepté la liste de El Olengankoy. Monsieur Trésor, ce n'est pas après. Ce n'est pas une trahison. C'était sa volonté. Non, ce n'est pas après. Vous devez comprendre que notre pays a une constitution.
La constitution de notre pays dit quoi ? À son article 78, les chefs de l'État, à son article 78, les chefs de l'État consultent la classe politique et après dégagent la consensus et prennent des décisions. C'est ce qui a été fait. Les chefs de l'État a lancé l'appel à la classe politique. Mais les gens qui... la classe politique qui a trouvé que c'était normal de venir pour l'intérêt de la République, ils se sont présentés. Pour l'intérêt de la nation, ils se sont présentés. Ils ont porté leur contribution. Ils ont donné leurs idées. Ils ont donné leurs pensées. Et après cette consultation, chef de l'État a donné tout ce qu'ils ont parlé pendant la constitution. Vous donnez quel crédit à Bruno Tshibala? C'est un politicien de longue date. C'est un politicien qui a milité auprès du président Tshisekedi 36 ans. Ils ont lutté ensemble. Bruno Tshibala, c'est un politicien de carrure de Étienne Tshisekedi. Alors, avec sa compétence, avec son niveau intellectuel, sa bagage, je vais dire, ses études faites, moi je donne crédit. Il y a des choses qui vont aller de l'avant. Une question de curiosité. J'ai suivi l'allocution de l'adresse du chef de l'État devant les deux chambres de Parlement. Lorsqu'il a commencé à saluer le personnel qui était juste présent, il n'a même pas osé de saluer le Premier ministre Sami Badibanga. Il n'a même pas fait attention à lui. C'était dit à quoi? Parce que aujourd'hui, il a commencé, cher président du Parlement, cher président de sénateur, cher député, tout et tout. Le Premier ministre, Sami Badibanga, n'a pas été même cité. Alors c'est dû à quoi? C'est juste une question de curiosité. Moi, j'avais peur que vous me disiez qu'il n'a pas demandé une minute de silence pour la mort d'Étienne Tshisekedi. Non, seulement Étienne Tshisekedi, pour tous ceux qui ont donné leur vie, qui ont perdu, voilà. Et puis, pour les seules langues qui parlent tout le temps que le chef de l'État n'a jamais cité les noms de Tshisekedi, il a cité le jour-là et à haute voix. Sami Badibanga, c'était son Premier ministre à lui. Mais il était comme un figurant, vraiment. Non, c'est un chef du gouvernement. Ils ont dit, messieurs, dames du gouvernement. Il a dit, pas particulièrement Badibanga, je vois pas pourquoi. Vous pouvez citer particulièrement Sami Badibanga, comme ça, c'est aussi une grande personnalité. Non, dans le protocole d'État, on ne cite pas les noms, on cite les institutions. Parce que j'ai pas entendu citer les noms des présidents Omé Binakou ou président Kengo. Okay. Ils ont cité le Sénat, le Parlement et les gouvernements. Okay. Donc là, on va dire... Le gouvernement qui sera formé par Bruno Tshibala, le membre du rassemblement, elle, Félix Tshisekedi, ne vont pas se présenter. Ah, il y aura des consultations. Déjà, j'ai suivi la déclaration des Kabound à Kabound. En connaissant l'UDPS et le Tshisekedi, je ne sais pas s'ils se comprennent dans cette position-là. Je ne sais pas si un jour ils vont gouverner le Congo. Parce que je pense que les politiciens doivent savoir mettre l'eau dans leur vin, doivent savoir réfléchir, doivent savoir discuter, doivent savoir dialoguer. Alors si on est radical, alors il faut dire au revoir aux affaires. Voilà. Il y a déjà une marche pacifique qui est prévue pour le 10. Déjà, ça commence déjà. Mais c'est constitutionnel. Moi, je pense qu'un pays... Ça commence déjà, cette marche, c'est pour contester à ces systèmes. Non. Les marches, les manifestations, c'est normal dans un pays démocratique. C'est tout à fait logique. Il faut qu'il y ait des marches, il faut qu'il y ait des manifestations. Mais comment on peut pas opposer un gouvernement en place? Comment on ne peut pas s'opposer à un régime en place? C'est tout à fait logique. Nous sommes un pays démocratique. Il faut qu'il y ait déjà des manifestations dans nos pays. Mais c'est tout à fait logique. Cela explique déjà que même si la nomination de Bruno Tshibala, ça ne va rien arranger. Cela explique déjà ça. Non, je vais vous dire... Ce n'est pas déjà un signal d'alerte. Je vais vous donner l'exemple. Vous savez les jours où Donald Trump prêtait serment aux États-Unis? Oui, il y a eu des marches, des contestations. Contestations, oui. Mais ce n'est pas pour autant dire que président Trump n'est pas président.
ça veut tout simplement dire que dans un État démocratique, ce genre de pratique est normal. Voilà ma réponse. Merci, Monsieur Willy Tunga. On ne va pas éterniser là. On va juste observer et ce qui va se passer. Maintenant, par rapport au rassemblement, ça dit là, il faut maintenant effacer. Le rassemblement va rester. Comme ça, elle, Olengankoi, elle, Félix Tshisekedi, ou bien vous voulez qu'ils arrivent encore à s'unir. Et même s'ils s'unissent aujourd'hui, pendant que le Premier ministre est déjà nommé, qui n'est autre, c'est-à-dire qui n'est pas Félix Tshisekedi, comme le peuple attendait, parce que la volonté de la population congolaise était que Étienne Félix Tshisekedi soit là comme Premier ministre. Parce que lui, il avait vraiment la crédit, c'est-à-dire il avait un crédit en l'endroit de la population congolaise. Je me permets, avec votre autorisation, de vous couper la parole et en même temps vous demander aussi la permission, parce que ce n'est pas trop poli. Vous avez la permission. Merci beaucoup. Je vous rappelle ici que dans un pays qui a plus de 70 millions d'habitants, on ne peut pas dire que la monopole ou l'intelligence repose chez une et une seule personne. Par là, ça serait incompréhensible pour tous les gens qui nous regardent. Ce n'est pas celle et celle Tshisekedi. Dans notre pays, c'est un État, ce n'est pas un royaume. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Tshisekedi qu'il doit être impérativement Premier ministre. Il y a des intelligences. Faisons confiance à Bruno Tshibala. Et on verra la suite. Merci, Monsieur Willy Tunga. C'est-à-dire, faisons confiance à Bruno Tshibala et on verra la suite. La suite, fin des citations. Monsieur Willy Tunga, je voudrais aussi que nous puissions parler de votre fondation. Vous êtes président d'une fondation qui porte votre nom, Fondation Willy Tunga. Vous œuvrez dans quel secteur? Nous, on œuvre dans tous les secteurs, en fait. On est dans l'orphelinat. Précisément, oui. Personnes âgées, les enfants abandonnés, en fait. C'est ce qu'on appelle les enfants de rue, les chégués, et les femmes seules. Voilà. On partage un peu le peu qu'on a. On le fait avec notre cœur. On le fait pour aider les gens qui manquent. On n'a pas beaucoup de moyens, mais le peu qu'on a, on essaye un peu de distribuer. Vous avez le soutien aussi de la majorité présidentielle pour faire fonctionner la fondation? Non, ça c'est ma poche qui parle. Ça c'est ma fondation, moi. Ce n'est pas pour rien que c'est porté mon nom. Okay. C'est vrai qu'il y a de l'aide. S'il y a de l'aide qui peut venir par-ci, par-là, on ne va pas dire non. Voilà, c'est que je peux répondre pour ça. Vous êtes candidat à la députation provinciale, croyez-vous? Exactement. Aura-t-il des élections dans notre pays? La lire où va les choses? Ah, je pense que ça a été souligné encore, noir sur blanc, pendant l'adresse à la nation du chef de l'État. Il a rassuré les Congolais qu'il y aura bel et bien les élections dans notre pays. Mais les élections apaisées. Mais il n'a pas signalé que lui, il ne va pas se présenter? Oh, il n'a pas signalé. Ça, c'est une question que Parce qu'on sous-entend qu'il y a déjà. On va organiser le référendum pour essayer de modifier la constitution. Si vous les concède, c'est vous qui dites, mais ce n'est pas mon point de vue. Je pense que la question que vous m'avez posée pour le troisième mandat, ce n'est pas la question que je vais répondre aujourd'hui, parce qu'on a déjà répondu plusieurs fois. Même le chef de l'État l'a dit clairement, noir sur blanc, qu'il ne va pas se représenter, mais qui va respecter la Constitution. Voilà. Et qui dit la Constitution? Notre Constitution dit le président de la République fait un mandat une fois renouvelable et point barre. Mais qui va respecter la Constitution? Mais au cas où il y a un référendum pour modifier la Constitution, et la Constitution qui sera modifiée et lui permet encore de se présenter, Trésor, il va toujours rester là-bas. Monsieur Pourquoi Trésor, il n'arrive pas à dire, à clarifier Trésor, que voilà, je ne veux plus me présenter, il n'arrive pas Trésor, à prononcer ces mots? Ça, c'est un faux débat. Mais quand même, je veux répondre sur le problématique du référendum. Notre pays, c'est un État démocrate. La Constitution, les référendums, c'est démocratique. S'il y a un référendum aujourd'hui et il demande que les chefs de l'État se représentent, pourquoi pas? Voilà. Mais exactement, c'est les gens ont peur de ça. C'est-à-dire, c'est ça déjà. Alors, c'est comme si tout est déjà programmé. Je vous ai répondu par rapport à la Constitution, par rapport au référendum.
Les référendums est constitutionnel. Oui, oui. Les référendums n'est pas interdit dans notre constitution. J'ai essayé juste de palper pour vous dire que s'il y a référendum aujourd'hui, on n'a pas dit qu'il y aura référendum demain. Mais s'il y a référendum aujourd'hui, mais qui a le monopole? Qui est cette Congolais-là qui a le droit plus que l'autre? On est tous pareils. On est tous sur le même pied d'égalité. Parce que la manière dont les gens observent les choses, c'est comme si le président Joseph Kabila Kabange ne veut pas vraiment quitter le pouvoir. Il veut demeurer le plus longtemps possible parce que créer toutes ces manœuvres, refuser de nommer Félix Tshisekedi, les arrangements particuliers n'ont pas abouti. Il a fait ça à sa manière. Il a considéré le rassemblement El Olengankoi pendant qu'ils étaient ensemble. Il a tout fait pour qu'ils soient divisés. Ce sont des analyses aussi des secteurs acteurs politiques. Ça, c'est vous qui les dites et puis ça vous engage. Moi, ce que je peux répondre, comme sur la question que vous m'avez posée, le référendum est constitutionnel. Les référendums figurent dans notre constitution et je ne vois pas qui va refuser les référendums dans notre pays. Voilà. Donc, merci parce que lorsque... Je vais rajouter quelque chose. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est plus de 70 millions qui ont voté cette constitution. Mais ils savaient qu'il y avait les référendums. Il y avait clause des référendums. Aujourd'hui, on nous l'interdit. Ou soit on est dans une démocratie, dans un pays démocratique, ou on ne l'est pas. Voilà. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Parce que c'est déplorable. La population congolaise a peur que ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville puisse encore passer. Non. Moi, on a vu avec le président Denis Sassou Nguesso, on a vu la manière dont il a modifié la constitution, il est resté au pouvoir, tout et tout. Ce n'est pas sur le plan de la majorité présidentielle, parce que vous avez déjà prononcé Oumela, Oumela, Oumela. C'est cette phrase qui a aussi déclenché. C'est la démocratie, papa. Aujourd'hui, moi, je peux dire aujourd'hui que non. J'aimerais que Kabila puisse se postuler encore à la présidence de la République. Mais pas se dire ça, vous. J'aimerais que Kabila respecte la constitution, de ne pas se présenter, de ne pas modifier la constitution. On doit se comprendre. Je vous laisse finir. Monsieur Trésor, je parle étant que citoyen congolais. Oui. Mon point de vue n'engage pas toute la République. Une personne peut dire Joseph Kabila, Oumela. Mais c'est son point de vue. On est dans une démocratie. C'est ce que les gens doivent comprendre. On ne peut pas interdire à quelqu'un de dire que non, je veux que Félix Tshisekedi soit Premier ministre. Parce que c'est son point de vue à lui. Et c'est ça la démocratie. Ok. Merci. Une question seulement pour anticiper les choses. Bruno Tshibala, il est le Premier ministre. Qu'attendez-vous de lui? Les sociales de Congolais. Ok. Les élections, parce qu'on a été dérouté avec les questions de positionnement de Premier ministre ou quoi que ce soit. Mais l'objectif qui a été donné au prélat catholique, c'était pour l'organisation des élections. On a vu nos amis de l'opposition, si on peut dire Félix ou Olengankoi, ils étaient tous égarés de l'objectif qui a été assigné. Ils parlaient tous des positionnements politiques. On n'a pas entendu un parmi eux parler des élections. Il y avait que la majorité présidentielle qui avait mis en place les centrales électorales. Il y avait que la majorité présidentielle qui a été dans les provinces pour sensibiliser les gens pour s'enrôler. Il y avait que la majorité présidentielle qui frappait, matraquait du matin au soir pour parler de l'enrôlement et des élections. Alors aujourd'hui, nous devons savoir, la population congolaise doit savoir qui veut les élections, qui ne veut pas les élections, qui cherche la poste, qui cherche la positionnement et qui ne le veulent pas. Voilà, monsieur Trésor. Merci, monsieur Willy Tshinga. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je vous laisse la dernière parole. Si vous avez un message particulièrement à l'endroit de la population congolaise, vous avez la parole. Moi, je demande à la population congolaise de faire foi au Premier ministre qui vient d'être nommé par le président de la République conformément aux discussions du règle de l'ANCENCO. J'ai demandé aussi à monsieur Bruno Tshibala comme Premier ministre de penser à la population congolaise, que ce soit la prioritaire, les sociétés congolais, que ce soit la prioritaire, les élections, que ce soit la prioritaire,
le bien-être de la population congolaise. Voilà mon dernier mot. Ok, ainsi s'achève cet entretien. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Si l'émission vous a plu, dites merci à celui qui assure la réalisation de cette émission HTV 13 ans pour dire de Mac IVP avec Canal Impact. Moi, je vous dis merci énormément à tous ceux-là qui nous soutiennent de loin ou de près. Merci à Madame Tania Boyanga. Merci à Fanny Massamba-Kenge. Merci à Papa Osé Kouindama. Merci à le vieux Cardozo Omamba, merci à maman Sylvie, merci à vous tous, Félix Ziola, merci à Abraham Diello, et continuez toujours à nous aider, continuez toujours à nous donner des conseils, à nous prodiguer des conseils afin que nous puissions toujours continuer à faire cette émission, à réaliser cette émission dans de bonnes et difformes. Ainsi prend fin cette émission, je vous dis au revoir et on se retrouve très très prochainement pour notre numéro de cette émission HDV 13 ans pour du lycée. Là, portez-vous bien et restez toujours connectés, branchés sur IVP des marques Canal Impact. Merci, au revoir.